pelouse. Ma pelouse, merde. Bon, bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour l'épisode 21 de l'épopée d'un enchanteur. Je vous avais prévu une autre activité, alors je savais pas quoi faire et puis bah j'ai vu que TB avait fait pas mal de bêtises sur mon monde. Donc je sais qu'il est censé commencer Fraps aujourd'hui normalement, donc commencer sa série aujourd'hui au moment où je tourne cet épisode. Et vu qu'il a pas mal fait le con, alors l'eau, je vous explique rapidement, je ne la vois pas, je ne la vois pas en surface, par contre elle est toujours là, hein. C'est à cause de mods que j'ai installé, que je virerai dès que je pourrai. Là pareil, ma fontaine, en fait si j'arrive à monter dedans, voilà, il y a toujours de l'eau. Parce que disons qu'on avait un petit souci sur le serveur, donc j'ai installé X-Ray juste pour localiser le problème qu'il y avait sur le serveur. Ça doit être une boucle en redstone qui pose problème quelque part. C'est pour ça que j'ai X-Ray actuellement et ça fait un peu bugger au niveau des textures de l'eau. Mais voilà, c'est tout. Donc je m'en suis pas servi pour miner, j'ai même pas été miné, donc voilà. Donc TB s'est amusé avec la commande de Fireball. Donc il a détruit ma pelouse, donc bon c'est pas grand chose, mais donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bah pour la peine, sa première série, elle va commencer par une prank. Je vais, donc en même temps comme ça vous permettra de voir un petit peu, oh du diamant, ça me permettra de voir un petit peu sa base dans ma série, si vous ne suivez pas sa série, à ses tout débuts. Sachant que mon épisode sortira bien après, cet épisode-là sortira bien après son premier épisode, je pense. Donc voilà, donc il a déjà fait tout ça en fait hors caméra pour bien commencer la série. Sa série. Et donc on va aller tout en bas, j'y serai plus vite. Voilà, alors je crois qu'il a fait ça avec World Edit, enfin certainement il a fait ça avec World Edit. Hop. Et puis donc voilà. Puis donc cette salle-là, cette petite salle-là qu'il a pas fini de creuser, vous voyez, elle débouche sur ma machine à potions. Donc le panneau de contrôle. Ah oui, donc et puis vu que j'ai X-Ray, même en mode non créatif, je n'ai pas la brume. Donc je pense que je vais quand même garder X-Ray rien que pour ça, même si j'ai des problèmes avec l'eau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et ben c'est tout simple. Non, c'est pas là sans tout. Dans ma redstone, j'ai un tas de portes en fer. Des leviers, j'ai tout ce qu'il faut en fait pour faire un circuit en minecart qui vont activer des portes et foutre un bordel pas possible. Donc c'est ce qu'on va faire. Juste rapidement. Je vais me débarrasser de tout le shité que j'ai sur moi. Puis je vais le faire en légite, parce que sinon c'est pas drôle. Pareil, je vais boire si je vais juste me cheater un peu de lait, c'est parce que dans ses commandes il s'est planté et il m'a mis la force. Genre on one shot presque un Wither, donc voilà, comme ça j'ai plus les effets. Hop, j'efface tout. J'ai M0. Et donc on va prendre tout notre barda là, on va prendre également les minecarts, on va prendre les rails détecteurs, des rails déclencheurs, des rails normaux. Alors ça ce sont des rails déclencheurs, je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Quelqu'un qui a voulu s'amuser avec des minecarts à TNT, ils ne fonctionnent pas sur le serveur. Je l'ai essayé de désactiver. Et on va voir comment on va faire ça. On va faire cette prank ensemble. J'ai pas envie de faire un petit accéléré là-dessus. On va juste prendre les rails. Au pire des rails, je dois en avoir près du village à PNJ, donc je vais aller en rechercher. Qui sont restés là-bas depuis depuis Mathusalem.
On va faire ça comme ça. Dans un premier temps, on va déjà pranker ça, histoire qu'on soit bien. J'ai pas de pioche, bon, tant pis, je recommencerai plus tard. Tant pis, Ok. Bah si, je vais juste faire une petite ellipse, histoire d'aller chercher vraiment tous les matériaux dont j'ai besoin, et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc on se retrouve, donc j'ai cassé les rails qu'il fallait pas. Hop. Oups. On va éviter de tout casser quand même. C'est parti où ça? C'est parti là. Regarder un espace de libre dans notre inventaire au cas où on casse quelque chose. Et puis bah on est parti pour cette petite prank. Pourquoi j'ai appuyé sur A moi? Alors ok, on va faire ça. On va faire ça bien. Hein. Oh, son passage c'est un peu bête de le casser. On va passer en dessous. Et ah ouais mais dans ce cas un stack ça va peut-être pas aller. Ah non, de toute façon je peux pas rentrer par là. Non bah écoutez, on va faire une boucle tout simplement. On va tout simplement faire une boucle. Un peu trop puissante cette pioche, efficacité 5. Mais j'ai plus que ça pratiquement. Il me reste ça et une pioche fortune qui traîne. C'est tout ce qui me reste. Alors, juste genre ici. On va mettre un. Hop, alors ceci est un redstone block hein, avec Affinity HD. Oh merde, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était l'autre. Voilà, un rail booster. On va en mettre un deuxième à côté. Non. Hop. Hop. Décidément. Alors, je crois que c'est 3 rail boosters pour que ce soit efficace. Hein. Ouais, mais là, il faut pas aimer. On va en mettre un second ici. Et après, on va voir pour mettre des. Oups. Des rail détecteurs. Avec des portes. On va donc. Voilà, bon, ça. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore mis une normale. Hop, hop, voilà. Par là, on va en mettre également. En mettre également deux. On va en mettre également là. Histoire que ce soit vraiment bien assez rapide. Allez, je vais même me permettre le luxe d'en mettre 3 ici. Hop, voilà. On fera la même chose en bas, je pense. Là, c'est juste pour l'exemple. Le poulet. Merci. Et ici, on va mettre tout de suite après. C'est des rails détecteurs. Genre comme ça ici, avec deux petites portes en fer qui vont bien. Et donc là, si je mets un minecart. C'est pas mal les minecarts avec Affinity HD. Ok, ça lag un peu. Ok, on a quelques petits lags sur le serveur en ce moment, donc faut croire que. Et pourquoi ça. Ça me donnait de l'XP? Je sais pas. Bon, ça fait rien. On va. Ça reviendra certainement. C'est juste un petit peu de lag. Mais sinon, c'est censé marcher. Ça doit être mon client qui lag avec les. Avec bah avec tout ce qui est. Comment? Avec tous les mods que j'ai installés là récemment. Optifine, j'ai remis. Ah oui, j'ai remis Minecraft. Donc j'ai plus mes oreilles de Mickey ridicule. Si je fais ça, tiens. Est-ce que je peux activer 3 rails comme ça simultanément? Allez, dépêche-toi. Allez. Oups. Non, j'en active qu'une. Donc ça c'est même pas la peine. Attendez, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple.
Faut... Bah, j'ai ce qu'il faut sur moi. On va les récupérer. Et on va mettre les portes le long de la redstone. Normalement, c'est censé marcher, ça. Allez, là, là. Tout le long ici. Un petit rail détecteur là, ça aurait pas fait de mal. Allez, je vais le mettre. Quoique j'ai un doute, est-ce que ça fonctionne ça ou est-ce que... Il est où mon Minecart? Il est là. Je l'ai arrêté. Ouais, ça marche. Mais pas sur tout apparemment. Apparemment, ça a marché qu'une fois sur deux ou un truc comme ça. Ou alors j'ai trop mis de rail détecteur et résultat, ça reste constamment activé. On va remettre à... Ok, donc voilà. Donc voilà ce que je vais faire et puis ben je vais mettre donc des portes un petit peu tout autour. Ouais, donc ça fonctionne ça. C'est juste qu'ici ça marche pas parce que ici il y a un croisement et il aime pas. Bah écoutez, on va c'est parti pour cette petite prank comme ça. Bon, il aura comme ça un peu de redstone, mais le comment le de toute façon les portes j'en ai les portes viennent du stronghold, hein, donc enfin des stronghold. Donc j'en ai à plus savoir quoi en faire. Donc évidemment, je me fais plaisir. C'est étrange ce lag là. Parce que je voudrais voir. Ouais, elles se sont activées. Ok. Ça c'est très bien. Lui, je suppose qu'il va laguer moins que moi. C'est bizarre ce lag, ça. Je sais pas trop d'où ça vient. Mais bon. Pourtant, j'ai fait une mise à jour du serveur récemment. Bah ah oui. Bah en fait si, je pense savoir d'où ça vient. On est passé en 1.6.4 et depuis qu'on est passé en 1.6.4, c'est la merde. La version 1.6.2 était beaucoup plus stable. Bon, donc voilà, on va. Ça c'est la première partie de la prank. Il nous reste quelques portes, je pense qu'on va les placer en bas. Attendez, ces pierres là. Bon, comme ça il aura gagné un petit peu de redstone, hein. C'est pas pour son début de série, c'est pas mal. Ah, il avait de la redstone ici, ça aurait été... Ce que je voulais déposer, c'est ça. Voilà, la pierre taillée. La pierre taillée vient de chez lui. Ou alors... Ah oui! Ah, ça aurait pas été con ça. J'aurais pu flouder ses coffres avec quelque chose. C'est-à-dire tous ces espaces libres les remplacer avec des items ou quelque chose dans le genre. Ouais, ça va être la seconde partie de la prank, je pense. Ouais, non, je vais pas mettre des rails ici. Ici, je mettrais peut-être des tableaux. Je dois avoir de la laine qui doit traîner dans mes coffres pour faire des tableaux. Il aime pas les tableaux. Donc... oh, est-ce que j'ai de la... Non, j'ai de la glace, mais je dois pas avoir de neige. Il n'y a pas de biome neige. Ah si, il y a un biome neige dans le secteur. Oh, je vais faire des golems de neige. Par contre, ça là, ça risque de les emmerder, les golems de neige. Ouais, je vais faire des golems de neige. Ouais. On va faire ça. Attendez, que je réfléchisse, comment on peut faire ça? Oh, il y aurait moyen de faire des choses un petit peu salauds ici. Non, écoutez, ellipse, je vais dans le biome toundra et puis il va me falloir une pelle, donc hop, pelle. On va
tomber tout ce qui est redstone parce que je pense que finalement la redstone, voilà. On va remettre tout ça. Hop. La redstone, j'en ai à plus savoir quoi en foutre de la redstone. Hop. Ça va partir dans le trieur. J'ai dit pelle. Une pelle. J'ai pas une pelle avec efficiency. Si. Slash homme. Bah, hop, à la limite, j'ai fait ça. Autant. Parce que je me souviens plus vraiment du homme que j'ai tapé pour ça. Donc, autant. Hop. Sur gold 1. Ok. Je sens que j'ai passé une annonce et qu'on va repasser en 1.6.2 très rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là. Ok, hop. Et là, Biome Toundra, donc on va se faire plaisir. Ah, il m'aurait peut-être fallu fortune. Avec fortune, ça aurait peut-être été mieux. Ah, le problème, c'est que j'ai jamais réussi à avoir d'enchantement fortune. Les seules fortunes que j'avais, c'était de F. Savard. Et encore, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure parce que je crois que la pioche fortune, je crois qu'elle a brisé depuis le temps. Donc, voilà. Donc on va récupérer un peu de neige. On va se faire des blocs de neige. On va se faire plaisir. Bon, tant pis. Allez, hop. Ah ouais, efficiency, c'est vrai. Ouais, c'est un peu trop violente cette pioche résultat. À se demander si à la main ça serait pas. Ouais non, à la main ça va être encore plus. Ça va être plus long quand même. Bah tant pis. C'est vraiment violent efficiency. Et pourtant j'ai pas célérité. Hein. J'ai pas célérité, j'ai que dalle, mais c'est assez violent. Bon. Faut quand même essayer de garder un terrain un peu propre. Enfin, on y va jamais hein, dans ce truc-là. C'est juste le Stronghold qui est en dessous. Franchement, faut faire quelque chose ici. Je vois pas trop l'intérêt. C'est assez loin en plus de la maison, donc. Je suis vraiment un boulet, moi. Non. Ah, de la citrouille. Ah, je dois pas avoir de citrouille. Si, dans mes coffres, je crois. J'étais pas tombé sur de la citrouille dans mon monde. Non. Et galère, il va me falloir des citrouilles. Je sais où en trouver sur le serveur. Écoutez, je vais en chercher sur le serveur, mais c'est assez loin, donc je vous reprends tout à l'heure. Ok, donc on est de retour. Hop, donc juste mettre ça ici. On va hop, poser deux blocs. Donc, je sais, j'avais repéré comment une, ouais, bah, une ferme, tout simplement une ferme à, comment une ferme à. Ah oui, non, ça a été nerfé ça. Je crois qu'ils produisent plus de, s'ils sont pas dans un biome toundra. J'ai un doute, attendez, excusez-moi, je. Si c'est pas ça, je vais devoir retourner dans le biome toundra. Ok, et donc là si. Ah, pff, je suis toujours en créatif, parce que je reviens du monde général. Ok, si ça marche. Ok, nickel. Ah, comme ça je vais pouvoir me produire de la neige à volonté. Ok, donc c'est parti.
Ça va rappeler une des anciennes pranks que j'y avais déjà faite il y a longtemps, avant qu'il soit administrateur. J'y avais fait une prank dans le genre. C'est bizarre, on dirait qu'elles font des... Ah là, allez, amusez-vous les golems. On va carrément faire un truc. Hop. Hop. Et là, c'est le drame. Hop les. Allez, dispersez-vous. Oh zut. Ouais. Il a pas fait de... Ok. Hop, on va produire un petit peu de neige. Ah, j'avais complètement oublié ce truc-là. Ouais, non, mais fortune, c'est toujours pareil. J'arrive pas à avoir de fortune dans mes enchantements. C'est hallucinant. J'en ai pas eu. J'ai pas eu un seul livre fortune. Même fortune 1, j'ai pas réussi à en avoir. Donc, j'ai tous les autres. J'ai des solidités. J'ai des efficacités. Tous ces trucs-là. Et non. Donc ouais, donc un épisode un peu prank, ce sera pas un épisode très très constructif. J'ai fait le module dans la, comment, dans la ferme, dans la, ouais, dans la machine à potions. Hop. Je les ai pas craftés. Ouais. Buki, t'as vraiment intérêt à sortir une version stable rapidement parce que là c'est pas vraiment jouable. Hein. Ça doit venir de Buki, hein. Ou alors on a vraiment un gros problème sur le serveur. Et j'ai presque plus de bouffe. Si je fais spawner un zombie. Qu'est-ce que... Pourquoi ils sont morts? Ah merde, d'accord. Ici je suis en biome rivière, donc ils peuvent survivre. Et là je suis en biome jungle. Et dans la jungle ils peuvent pas survivre. Par contre ici il y a aussi de la rivière. Donc on va faire de la rivière. Ouais, ils vont pas pouvoir survivre autant que je le voudrais. Bon bah ça fait rien, on va faire avec. Ouais, sa zone elle est sur un entre-deux, sur un entre-deux biome. Donc évidemment, ça peut pas le faire. Là je suis en jungle, là je suis en rivière. Ok, bon. Oh zut. 18, ouais, bon. Faut que je m'en garde. Faut que je me garde des citrouilles pour me faire des... comment simplement, bah des... Ouais, ceux qui sont pas... Ouais, ceux qui sont pas en rivière. Ouais, là je suis dans la jungle, là je retourne en rivière. Donc ils peuvent survivre qu'en rivière. Ah, on n'est pas dans un bon biome. Ça c'est un peu embêtant. Et on se balade en fait entre les jungles et les rivières. Allez, cours. Jungle, jungle, river. Grosse rivière là. Ouais. Donc on va... Qu'est-ce qu'il me reste là? 6. Bon.
Je vais faire une petite ferme à... Ouais, une petite ferme. Puis on verra bien. En attendant, on va quand même essayer de se refaire. Comment on fait pour les épaisseurs de neige? Parce que... Il me semble que c'est comme ça. Non, il faut une table de crafting, je pense. Table de crafting, il en a une en haut, j'ai pas envie de remonter. Voilà, bon bah c'est... Ouais, bah, ce sera pas énorme, mais bon ça... Ça embêtera un petit peu. Je vais quand même en mettre un dans le biome... La biome rivière le plus proche. River. Tant bien, il me reste deux blocs. Il me reste une citrouille. Hop, voilà. Fais ton office. Non, la citrouille, tu reviens. Bon, en fait, il me faut qu'une citrouille parce que pour faire mon petit champ, je peux commencer avec simplement une graine. Donc, hop, je peux me recrafter un petit peu de neige. Là je suis toujours en rivière, ouais. 5, alors 4, excusez-moi pour le hockey. Ouais, c'est con que qu'ils soient morts les autres golems là. Voilà. Bah, il reste plus que les tableaux à mettre, parce que j'ai quand même envie de mettre les tableaux. Je vais mettre également un petit peu d'eau, je pense. Les tableaux, il aura pas de mal à les retirer, vu qu'avec avec la commande Thunderbird, qui nous permet de balancer des éclairs, quand un éclair percute des tableaux, bah, les tableaux tombent. Donc on va faire ça. Et... Galère. Ça je vais tout de suite le transformer, on sera tranquille. Hop, voilà, graines de citrouille. Je sais pas où je vais me faire cette petite ferme. Je vais la faire un peu en retrait dans la jungle, je pense. C'est pas très RP, mais bon, c'est juste parce que voilà, quoi, champ de citrouille, j'ai pas envie que ce soit vraiment très très apparent. Ça j'en ai un à carré là-dedans. Hop, là-dedans on va mettre les boules de neige. Alors, le bois c'est ici. Ah, tiens. On en a déjà des tableaux. Je sais pas à quelle occasion j'en ai eu, mais on en a. Ah bah si, c'est la galerie d'art qu'il y avait en haut. Comme nous avait fait Maison Géniale. Tiens, il y en a 14 autres ici. Et ici il y a de la laine blanche, c'est parfait. Et il me faut des sticks, si je dis pas de bêtises. J'ai plus de sticks, on va s'en recrafter. C'est ça, hein, c'est des sticks, hein, c'est pas des planches. Ça c'est de la terre, ça. J'ai pas pris le bois? J'ai pris le bois. Ok, je pense que j'ai eu un rollback et que le bois a disparu. Oh, il reviendra certainement. Alors, laine et planche. Donc c'est pas ça, il faut bien des sticks. Je me souvenais plus vraiment comment ça se craftait, donc ça me permet de revoir les bases. Hop. Gat, hop. 47, 55. Bon, avec déjà 55 tableaux, je pense qu'on va pouvoir. Bon, ça va pas mal faire ramer, je pense, parce que les tableaux sont considérés comme étant des entités. Donc bon, si j'ai du poulet cru pour manger, bon. Bon.
Voilà. Non, le creeper. Ok, bon, on va poser. J'aurais dû poser ça déjà dès le départ. Donc, on va remonter un petit peu. Parce que j'ai envie de décorer un petit peu ça. On va pas mettre au niveau de la fenêtre, mais voilà. Vous permettrez de voir les super tableaux d'Affinity HD quand on remontera. Non, déjà! Déjà plus de tableaux! Oh, c'est pas vrai ça! Excusez-moi, je dois faire une petite ellipse et je reviens dans quelques minutes. À tout de suite. Désolé pour ce petit interlude. Ou non, non, non! Ok, le lag m'a sauvé, je crois là. Hop, on va essayer de tomber dans la flotte pour pas prendre de dégâts, nickel. On va aller chercher quelques Yagin qui vient de se connecter. Ok, on va aller chercher quelques tableaux. J'aurais pu tout simplement taper slashback ou une connerie dans le genre, je suis sûr. Allez, pousse-toi le mouton. On va reprendre nos laines. On va reprendre des planches. Ok. Il va me rester des bâtons à la fin de ça, mais bon. 13 tableaux. Oh. Bon, allez, on va en refaire quelques-uns. Parce qu'avec 13 tableaux, on va pas aller loin, bah, pour une prank. Allez, hop. Ouais, pourquoi pas. Bon, allez, moi j'en veux toujours plus, on va en faire plus. Oh, c'est pas vrai, hein. Ah d'accord, en fait oui, c'est parce que je me plante à chaque fois de. Ok. Hop. Là on est bon. 8 là. Hop, et 16 de plus. C'est pas là. Si, c'était là. Bah écoutez, bah ça va déjà faire une belle galerie, hein. On va faire. Alors je sais que Slash J, vous y avez pas accès. Ce sont que les admins qui y ont accès, mais bon, c'est juste pour gagner un peu de temps vidéo. Allez. Déjà? Bon. J'ai repéré un truc. Voilà, c'est que on peut. Voilà, on peut modifier le tableau. Alors, j'ai pas bien compris comment ça marchait. Mais. Mais on peut éditer les tableaux. J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Ça, c'est assez bancal comme système. Mais en gros, quand on fait un clic droit pour lancer l'édition du tableau. Alors c'est avec Craftbook, hein, qu'on peut faire ça. Et en appuyant sur les numéros de 1 à 9, on peut choisir le tableau, apparemment. Ok, non, enfin, c'est assez bizarre comme truc, hein. Là, apparemment,
C'est assez bizarre. C'est assez bizarre comment c'est géré. C'est un peu mal géré. Mais bon, ça, on peut modifier légèrement les tableaux quand une fois posés. Donc, ouais, je peux plus courir. Ok. Hop. Wow, je suis passé par la terrasse, nickel. C'est le swag. Bon, eh ben écoutez, petite prank rapide. Ça aurait été... Enfin rapide, non, parce que je suppose que je suis à plusieurs... Je suis bien arrivé à la fin de l'épisode. Attendez, je regarde rapidement. Sachant que j'aurai pas le dernier morceau. Ah oui, on est déjà à plus de 30 minutes. Donc, eh ben écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir donc la série de TB Killer qui devrait commencer bah, d'ici... Bah, qui aura déjà commencé de toute façon quand je publierai cette vidéo. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Attendez, juste une dernière chose, je vais marquer un panneau... Je vais laisser un panneau. Je dois avoir des panneaux là. Ouais. Oh non, non, me fais pas ça, me fais pas ça, me fais pas. Oh, c'est pas vrai. Ok. Allez, juste, je vais me mettre en game mode pour. Bon, cocu. On va juste faire ça. Et puis voilà, c'est juste pour être tranquille. M'en voudrais pas. Où est-ce que je peux mettre ce petit panneau? Oh là, ce sera génial. Petite prank pour le début de ta série. Et en représailles, ça rentre, ça rentre pas. Représailles. Gars tu as fait à ma pelouse. Non, hop. Par la laine que m'a laissé, que m'a battu, que m'a et ouais, on s'en ouais, là, bon, là je néglige un peu l'orthographe certainement, mais bon, c'est juste pour être un peu rapide pour terminer l'épisode le plus vite possible parce qu'on va arriver très vite à 40 minutes je pense. Que m'a laissé me sent génial. Son esprit. Art déco, son esprit art déco. Ouais, non, je vais pas écrire ça. Surtout parce que je sais pas trop quoi écrire. Comment le... Je veux dire que... Bon, la laine qui me reste, en fait, ça vient de me sent génial. Donc... Voilà, donc... Hum.
amuse-toi bien. Et bonjour à tes... viewers. Abonnez-vous. Viewers avec AS. Amuse-toi bien. Et bonjour à tes viewers. Abonnez-vous. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Petite blagounette en prime. Le Minecart qui rame toujours autant. Mojang, qu'est-ce que vous faites, Mojang, avec... Alors, la 1.6.4 était censée corriger des bugs et il y en a toujours plus. Bon. Faut vraiment que je rentre rapidement, sinon je vais claquer. Mourir de faim, ça serait un peu con. Bon, on peut pas mourir de faim, on tombe juste jusqu'à un cœur de... Tiens, allez, hop, tente à la citrouille, c'était le sujet d'aujourd'hui. Ok, ça faisait partie des sujets d'aujourd'hui, donc avec les golems de neige. Ok, comme ça je vais pouvoir régénérer. Je dois avoir de toute façon la régénération sur le beacon. Pourquoi tu t'actives pas? Régénération. T'as pas promis Dieu. Non, c'est slash top que je voulais taper, pas slash J. Hop. Ben alors. Bon, apparemment faut que je remette un lingot de fer parce que quand j'ai bu le... il me reste plus rien ici. Hein. Il y a toujours l'équipement que F. Savard est censé récupérer. Ah, il me restait la luminosité ici. Bon, il me reste 2-3 trucs ici. Oh, il me restait des pastèques ici. Pour la machine à potions. Bon, donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais aller planter ma petite ferme de ma petite ferme à melon pas très loin. Attendez, je regarde un petit peu. Et je vais la faire en redstone. Je vais la faire en redstone. Je pense qu'on la fera à l'épisode suivant ensemble. Quoique, est-ce que ça vaut vraiment bien le coup? Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Suivez l'actualité du serveur sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur... non, l'actualité du serveur, pardon. Sur le site mainserve-mdj.fr.nf, ainsi que sur ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à bientôt.